Hello les gars, j'espère que vous allez bien, comment ça va? Comme vous voyez, je suis pas du tout coiffée, j'ai vraiment aléatoire. Je vais chez le coiffeur, je vais faire des tresses, j'ai pas pris rendez-vous, je vais me pointer là-bas en mode de, hey. Du coup j'ai envie de faire genre 10 tresses et tout, mais pas collées, vous voyez. Genre juste manière d'être coiffée, parce que là avec mon point de suture c'est galère de ouf à me coiffer, donc du coup on va faire des tresses. Oh les gars, du coup là j'y vais. Je suis rentrée, je fais des tresses. Elles sont pas trop belles. Après, ça me va bien. Je suis choquée, je suis pas restée longtemps. Je restais même pas une heure et demie. Je suis allée pour 10h. Et à 11h30, j'étais sortie. C'est grave cool. Elles sont grave longues. Voilà, là, je pense que je vais mettre de l'eau chaude parce qu'elle a pas mis dans l'eau chaude. Elle a juste passé un coup de sèche-cheveux. Mais moi, j'aime bien quand c'est bien fluide parce que là, je trouve que c'est ouais, c'est un peu rêche. Je vais d'abord manger. Ensuite, je vais aller à la salle. Il est 13h et j'ai toujours pas mangé. En fait, je me suis calée et tout. Voilà, pas très productif. Là, je vous conseille assez facile, du coup je vais vous montrer. Déjà vous prenez de la pâte à pizza. C'est une pizza mais que je vais replier après, vous allez voir. Voilà, vous prenez votre pâte à pizza. C'est galère. Vous mettez de la sauce bolognaise ou de la sauce tomate. Moi je préfère la sauce bolognaise perso. Commencez pas à me dire ouais tu peux la faire toi-même ta sauce. En fait j'achète ça parce que des fois j'ai pas le temps comme là de me préparer à manger. Donc du coup ça sert toujours. Moi, je ne sais pas doser par contre. Voilà. La dose. Voilà. Que ce soit bien rempli comme ça et tout. Ensuite, je vais rajouter du poulet. Je sais pas si qui a filmé ça, mais. Hyper mal filmé quoi. On rajoute le blanc de poulet comme ça. Moi, vous allez me dire une pizza quoi. Oui, une pizza genre. En fait, je suis grave en train de faire juste une pizza. Je vais ouvrir le fromage. Voilà. Et là, vraiment. Sur le fromage, on ne dose pas, ok? Genre, là, moi, je mets vraiment, vous voyez, au taquet de fromage, parce que le fromage, c'est trop bon, c'est trop la vie. Vous voyez, quand j'avais l'inflammation à l'estomac, genre, je pouvais quasiment rien manger. Mais maintenant, ne vous inquiétez pas que j'ai bien retrouvé la vie. Ça, c'est vraiment ce qui fait toute la différence, la mozzarella. Et là, vous mettez la mozzarella. Oh my god. Là en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre comme ça. Enfin moi personnellement c'est ce que je fais. Et là vous allez faire comme ça. Ok. Là vous avez un truc à peu près comme ça. Venir faire vous voyez des petits comme des sortes d'empanadas vous voyez. De manière que ça forme une petite croûte. Okay. Et tac. Alors vous vous retrouvez avec ça. Que je vais mettre directement au four. Et voilà. Et là je vais rajouter au dessus de la mozzarella parce que bien évidemment je sais pas doser. Les gars du coup je me suis mis en tenue de sport. Voilà et là je vais mettre un petit haut. D'abord je mange et après je vais à la salle parce que je suis toujours pas manger. J'ai opté pour une petite tenue grise. Je joue les gars. Ça me fait trop bizarre de reprendre la salle. J'ai fait bouillir de l'eau d'ailleurs. Je vais détendre les tresses. Ok. Ok, on est plutôt pas mal là. Vous en dites quoi? Dans mon cœur, ça y est. Dans mon cœur. Bon les gars, je suis allée chercher mon peignoir pour mettre le chat sur les tresses pour pas me brûler. En fait, il fait chaud là et là, je mets un gros peignoir comme ça. Là. Parce que regardez, en fait, j'aime pas trop l'effet. Je sais pas si vous voyez l'effet figé là. Ça, c'est parce qu'elles ont pas été mises dans l'eau. Vas-y, je fais trop de manières pour faire un nœud là, c'est dingue. Alors, je vais diviser en deux côtés et je vais faire comme ça, vous voyez, je vais remonter. Si ça passe, ok. Je vais remonter. Regardez la vapeur dans les cheveux. Vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence. Vous voyez, là ça fait un peu figé et là genre ça fait un peu plus fluide. Donc voilà, ça c'est l'effet que je voulais que ça donne. On va pareil de l'autre côté. Voilà. Je sais pas si vous voyez la diff. Je vais passer un coup de sèche-cheveux de manière que ce soit bien plat, vous voyez. C'est beaucoup plus fluide. Mon petit pull. Il fait hyper chaud, genre il fait 22 degrés, je crois. Il va faire 28 degrés cet après-midi. Là, il est que 14h, je crois. Je sais plus. Il est 13h53.
Ok. Là, je vais aller manger. J'ai préparé. Regardez mon petit truc, genre. Ça fait une petite pizza et tout. Je vais rajouter du miel et à l'intérieur, ça a la tomate et tout. C'est trop trop bon ça. Genre vraiment, quand vous avez pas trop le temps, faites ça. Genre, c'est hyper rapide et tout, c'est trop bon. Je me suis fait mon petit matcha. J'ai ma petite pizza. Genre, les pizzas avec le miel, c'est tellement bon. Moi, j'ai pas dosé sur le miel. Moi, vous voyez, je suis une grosse forceuse. En fait, je dose dans rien. Petit matcha et tout. J'ai trop bien réussi avec la mousse de lait et tout. C'est trop bon. Vous allez voir, genre, comment c'est dingue. Déjà, quand vous coupez, vous voyez. Hop, et là, vous avez la tomate, le jambon et tout. Trop bon. J'aime trop ma nouvelle coupe. Ça donne vraiment un style. Mais on dirait plus trop moi. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, à chaque fois que je change de coupe, j'ai l'impression que je change de personnalité. C'est comme ça. J'ai plusieurs personnalités. Écoutez, je vais enfin à la salle. Du coup, en fait, j'ai mis un jogging comme ça. Voilà. Là, je faisais des TikTok. Du coup, bah, j'ai grave perdu du temps. Et normalement, à 7h30, je suis rentrée. Par là, je pense. Ah, on va à la salle là. Parce que depuis tout à l'heure, je retarde et tout. Je fais des TikTok et tout. Mais en fait, faut que j'aille, sinon je vais jamais y aller. Les gars, je finis ma séance de sport. Là, je vais y aller. Du coup, là, je vais rentrer vite. Je vais aller me doucher, tout ça. Il faut que je range tout. Bon, les gars, je viens de sortir de la douche. Là, je vais mettre ma petite robe noire. Il fait hyper chaud. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça. En fait, là, j'ai mis ça juste pour vous parler. Vous voyez, ma peau, elle brille. Parce que, bref, c'est parce que j'étais à la douche. Hein. Croyez pas, j'ai la peau grasse. Bref, du coup, je vais mettre ma petite robe. Les gars, il fait 28 degrés dehors. Oui, j'ai mis un gant sur mon pansement pour pas qu'il soit mouillé. Mettre ma petite robe noire et tout. Elle est trop belle. Bon, les gars, j'ai fini de m'habiller. Regardez la robe, elle est pas incroyable, s'il vous plaît. Elle est toute noire et tout. Je vais acheter à Bershka pour ceux qui veulent. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai trop aimé vous tourner. En fait, j'aime trop vous tourner des vlogs. En fait, j'aime trop, mais je sais pas si vous aimez. Du coup, dites-moi si vous aimez bien quand je vous fais des vlogs ou si vous préférez les vidéos où je vous parle en face-to-face, en fait. Et voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, mes filles.